Sœur Hélène Subrati, bonjour. Bonjour, Claude. Merci d'être l'invité cette semaine de l'écho du mercredi. Bien content de vous revoir parce que l'autre jour j'étais chez LinkedIn. Alors je prends une belle photo, chèque, un gros chèque et un joli prix. Qu'est-ce que je dois vous dire? Je dois vous féliciter pour ça parce qu'il y a quelques années de cela, je pense il y a 2 ans, vous avez reçu le SME Innovation Award 2017. Tyrone up, là maintenant on gagne tout ce crâle là. Yes, aujourd'hui je suis très fière d'être la gagnante pour le SME Excellence Award dans la section de micro-entreprise. C'est quelque chose d'extraordinaire pour notre compagnie Casting World qui existe depuis 2016. Et c'est un achievement, je peux dire, extraordinaire pour notre compagnie. Et je voulais prendre cette opportunité pour remercier nos clients qui travaillent avec nous, qui nous ont fait confiance, nos employés, qui, comme s'ils ont tout donné pour qu'on arrive jusqu'à là aujourd'hui. Nous avions eu une première rencontre il y a quelques temps, nous étions au pied de la montagne, la montagne du Côte d'Ivoire. Maintenant vous êtes un peu dans le bois, des travaux arrosés malheureusement. Ça aussi, c'est un achievement. C'est un achievement, je peux dire, pour nous, parce que depuis que j'ai commencé, j'ai travaillé de chez moi, à la maison. J'ai commencé comme ça. Je ne voulais pas comme si, m'endetter avec des loans pour comme si après, j'arrive plus à continuer. Ben, j'ai commencé chez moi, dans ma maison, où j'ai eu le support de ma famille, où ce n'était pas évident de tout convertir la maison en atelier. Et depuis décembre l'année dernière, j'ai bougé dans un plus grand espace. Je peux dire, maintenant on est professionnel, on a des bureaux, on a des showrooms à accueillir des clients. Et donc un peu plus d'espace. J'ai pu visiter, voilà. Il y a beaucoup de petits showrooms très spécialisés. Oui. Est-ce que c'est, depuis notre dernière rencontre, vous avez pu changer un peu votre catalogue? Il y a des nouveautés? Ben, ce qu'on fait, c'est la décoration des hôtels. On a travaillé avec plusieurs groupes, le Constance, le Seasons Maritime. Il y a beaucoup plus d'interior designers qui nous font confiance parce que maintenant on est un petit peu beaucoup plus reconnus de notre savoir-faire. On est des artistes qui travaillent avec plusieurs matières, la résine, le ciment. On fait des objets où la création vient des architectes, des interior designers. Et nous, on fabrique tout ça. Ben, c'est notre savoir-faire qui aujourd'hui nous a emmenés aujourd'hui là où on est. Vous êtes toujours dans le même créneau, c'est-à-dire décoration, plus ou moins pour des aquariums, on pourrait dire ça. C'est pas spécialement pour les aquariums. On fait des décors d'aquariums, mais on fait beaucoup plus des décors. Qui veut dire ce sont des coraux artificiels qu'on fait à la main et avec ces coraux-là on fait des décors, des chambres pour les hôtels, on fait la réception, on fait des objets comme pour mettre les tables de décoration. On continue. Aujourd'hui on est en train de fabriquer une méduse géante qui va être une mouche pour un hôtel et tout ça c'est fait à la main. Moi je suis médusée, hein, pour c'est ce que j'ai. C'est que j'ai pu voir, j'ai... Voilà, mais c'est des challenges où on arrive à travailler des dimensions comme si beaucoup plus grandes, mais on travaille avec des matières comme l'inox pour que ça rouille pas et on vient habiller ce genre de matière. Est-ce que je peux dire que vous avez eu un success story? Quand je regarde, quand je vois un peu la petite maison, les petites mains qu'il y avait dans votre maison il y a quelques années, quand je vois ce grand, cet espace qui est devant moi, avec ce que je fais, je suis aujourd'hui la seule personne à fabriquer des coraux à Maurice. Et bon, le but, c'est de protéger notre environnement, parce que figurez-vous que je fais des coraux, oui, c'est un métier, oui. Mais c'est aussi, il y a une petite histoire derrière ça, où ce que je fais, c'est pour pour que les gens arrêtent de retirer les vrais coraux dans la mer. Alors moi j'en fais des faux qui ressemblent aux vrais. Alors pas besoin qu'on retire donc, les vrais coraux. Donc vous faites de la plongée, vous attirez des photos de coraux tout bien. Ça c'est un God gift,
je peux dire, parce que je suis artiste de très longue date, où moi, ma carrière, c'était dans le marketing, où j'y croyais vraiment pas, et où maintenant j'ai fait ma passion aussi devenir un métier. Mon papa adore la pêche, on a grandi à la mer, on allait souvent, ma grand-mère aussi avait un campement après sa faillette. Et c'est ma passion de la mer, des côtes, que j'ai converti à faire un business aujourd'hui avec ça. Et en même temps, je suis en train de protéger l'environnement. C'est facile ça de faire une petite entreprise avec un gros aspect écologique? Écoutez, quand j'ai décidé à fabriquer des gros, c'était l'idée de changer de mon, ce que je faisais avant. Je travaillais pour les autres. Je travaillais dans une compagnie et arrivé à un moment donné, je voulais faire quelque chose à moi. Quand l'idée m'est venue, c'était pas vraiment avec le but de protéger l'environnement. C'était faire ma passion devenir un métier. Et au fur et à mesure que je le faisais, j'ai compris ce que je faisais, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et d'où j'ai mis une petite histoire avec. Ça, c'est le côté marketing qui a aussi progressé avec. Monsieur Saïd, ça, quand on a un bagage de marketing, quand j'entends beaucoup de personnes, quand je vis dans des réunions du travail, mais ça, on a tout sauf ce côté marketing, c'est ça le plus difficile. C'est le plus difficile, on peut dire, avec beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent fabriquer les choses, mais ils ne savent pas comment le vendre. Moi, j'ai ça comme background, j'étais déjà dans le marketing, ça m'a aidé. Il y a beaucoup, comme si, il y a encore du travail à faire. Mais pour vous dire que mon success story, je peux dire que ça fait partie, vu que j'avais un background en marketing. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Vous n'avez pas vraiment de concurrence, parce qu'à mon avis, je n'ai pas vu d'autres personnes qui font dans ce genre d'activité. Si j'étais un peu dans l'alimentaire, dans le vestimentaire, ça aurait été un petit peu plus difficile. Et plus facile aussi à vendre, parce que la mode, ça vient, ça va, tandis qu'on fait une décoration pour un hôtel, bon, ça dure 2 ans, 3 ans. Un aquarium, je pense que ça va pour combien, 10 ans, 15 ans. Voilà. Dès qu'on a placé, oui, maintenant, j'ai commencé à avoir des aquariums qui sont dans autour des arbres, un peu ici, quand on décore. C'est une fois pour la vie, ça. Mais si vous parlez d'aquarium, je peux dire qu'aujourd'hui, j'en suis très fière aussi, que je suis un des suppliers, qui veut dire que c'est notre compagnie qui va décorer le grand aquarium qui va être construit au Cocodon. En termes de aquarium theming, c'est l'intérieur des aquariums, les faux rochers, les faux coraux qu'il y aura dans tous les bassins. Et c'est notre compagnie qui a été choisie pour faire ça. Comment vous allez faire cela? Est-ce que vous allez prendre l'univers, je sais pas moi, de la tortue, de la corp, du taza? Parce que vous n'allez pas le mettre comme si dans un appartement et non, il doit se retrouver avoir de la place. Pour une mirène, il faut beaucoup de place. Voilà, pour un requin, il faut beaucoup d'eau. Pour une tortue, c'est pas le même habitat pour chaque poisson. Chaque espèce, mais c'est ce qu'on rate. C'est notre savoir-faire qui va être reconnu dessus, parce que on va travailler pour l'univers des animaux marins. Est-ce que c'est un univers particulier? Il y a déjà un élément là-dedans, c'est l'eau. Oui, bien sûr, toutes les matières qu'on va utiliser, ça va être... d'ailleurs, la résine qu'on utilise, c'est pas nocif aux poissons. Et le ciment qu'on va utiliser aussi, on n'a pas ça à Maurice, ça va sortir de l'extérieur. Et toutes les matières qu'on va utiliser, ça va être fait pour que ça soit pas nocif aux poissons. Et est-ce que dans l'eau, il y a la faune, il y a aussi la flore, il y a aussi des algues, est-ce que c'est, disons... Les algues pourront pousser là-dessus facilement. Bien, on va les mettre dans un endroit un peu spécifique, non, parce que ça, la verre, il y aura du sable, il y aura plus. Oui, tout ça, ça va être fait pour l'environnement marin. Et... C'est pas toxique pour les animaux, bien sûr, non. C'est ça notre atout, c'est on travaille avec des matières qui n'est pas nocif aux poissons. Ça c'est du côté de l'aquarium. Maintenant, si c'est pour des décors, on travaille avec d'autres matières qui vont devoir être comme on travaille avec l'inox quand on aura travaillé tout près de la mer. Mais on doit chercher des matières qui ne vont pas se dégrader avec le temps, vu que ça va être à côté de la mer.
si j'ai pu comprendre, c'est un truc qui va tourner autour d'une douche. C'est très technique. C'est très technique. Parce que vous avez deux éléments là, Charanas. Vous avez un côté l'air salin qui va venir de la mer. Ces personnes-là vont simplement se baigner. Il y aura un mélange d'eau douce et de salé. Et aussi qui va résister à notre domaine un cyclone. Et au soleil. Oui, voilà, et au soleil des tropiques aussi. Donc il y a beaucoup de paramètres pour préparer vraiment ce fini-là. C'est des dessins très techniques où on doit faire des dessins 3D, envoyer au client, l'ingénieur doit vérifier si les matières qu'on utilise, ça va être résistant à toutes les intempéries, je veux dire. Et on doit être comme si... proactif, voilà, un peu chimiste, un peu... Tout, technique. Mais disons, je peux dire le côté technique aussi, c'est mes expériences, là où j'ai travaillé avant, ça m'a aidé à aujourd'hui pouvoir donner le service qu'il faut, faire des dessins 3D, donner un service complet au client. Le client vient avec une idée, la plupart du temps c'est seulement un dessin que l'architecte a dessiné, et moi je dois refaire ça, devenir technique, qui veut dire avec les dessins 3D, pour pouvoir réaliser le projet. Comme celui qui puisse tourner, virer, voir de haut, de bas. Mais c'est facile de passer. Parfois, l'architecte a des architectes ont des idées, mais qui ne peuvent pas se dessiner. Mais moi, je dois reconvertir ça pour que ça devienne quelque chose de réalisable. Mais parfois, il y a des demandes qui sont irréalisables aussi. C'est un challenge qu'on doit mettre. Mais c'est intéressant. Il y a beaucoup d'émissions de télévision sur le satellite qui parlent de piscine. Je pense que c'est un produit américain. Il y a toutes sortes de piscines. Est-ce que vous suivez un peu ce genre de programme télévisé pour avoir des idées? Parce que c'est de la folie faire une maison, faire une piscine tout autour d'une maison. Aller chercher des vrais. C'est comme vous, travail, hein? C'est le travail d'autiste où. Moi, je visualise des coraux, je visualise des décors d'intérieur, mais ce que vous parlez, c'est des artistes, encore une fois, qui visualisent le interior design des jardins, des bassins, ou toutes sortes des spécifications techniques qu'il faut. Et chaque personne doit se spécialiser dans le domaine qu'il travaille. On a beaucoup parlé d'hôtels, mais est-ce qu'il y a beaucoup de petits aquarium shops, ce qu'on appelle à Moss? Est-ce que vous arrivez à vendre à toucher les grands, plus ou moins? C'est pas ça. Je fais beaucoup de customized aquarium, qui veut dire c'est un client qui a... je ne fabrique pas d'aquarium, je ne fais que le décor. Mais j'ai des clients individuels qui viennent me voir, ils ont un aquarium, une dimension, et où il faut que moi je travaille dans cette dimension-là pour pouvoir faire des. Et après ils viennent me dire, ok, je veux des coraux, je veux des shells, et à moi de voir que la plupart du temps c'est customized pour les individus. Ce sont des grands aquariums, des petits aquariums. J'en fais de toutes les dimensions et pour tous les budgets. Demain j'ai quelqu'un qui vient qui veut seulement acheter un corail avec moi, je peux le vendre aussi. Et si demain il a un plus gros budget. La plupart du temps, je travaille sur les budgets des clients. Donc, c'est des petits budgets pour l'aquarium à mousse ou bien on est dans des trucs faramineux? Non, moins de 5000 roupies, vous avez un design, quelque chose. Et maintenant, si vous avez plus de budget, vous voulez plus de couleurs, vous voulez plus des formes, j'en fais de toutes sortes. Vous faites maison, parce que j'ai vu cette action comme des maisons où les poissons peuvent sortir. Voilà, un voilà. Peu, ça peut être comme, des bateaux. Un peu comme aussi. Bob l'éponge, pour faire plus les ans. Est-ce que vous avez ça des projets pareils comme. Bon, mon garçon aime bien les poissons, mais il veut la maison de Bob l'éponge. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore eu, mais peut-être avec votre idée que vous venez de me donner, j'en profiterai. Ce sont les enfants qui aiment ça, les tortues, les poissons, les chiens, les chats. Mais est-ce que vous. Des dessins animés comme Nemo ou les princesses ou... Voilà. Est-ce que c'est. Peut-être Aquaman, peut-être quelque je chose peux comme tout ça. Faire. Si je suis arrivée à faire un ob qui fait 6 mètres de hauteur pour un hôtel, je peux dire qu'aujourd'hui je peux faire. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de défi pour ça. Je peux tout faire.
si vous me permettez, Shahnaz, de revenir un peu sur le success story de Casting World. Est-ce que tous ces schemes qui étaient disponibles il y a quelques années de cela vous ont aidé à faire? Je peux dire que Casting World a débuté avec l'aide de la SMEDA à l'époque, où je me suis dirigée vers eux pour savoir comment créer un business. Et j'ai commencé comme ça. Ils m'ont aidée à me diriger vers les instituts concernés, où j'ai commencé comme ça, et après c'est devenu SME Mauritius, où moi, disons que Casting World prend avantage de tous les schemes qu'ils proposent, bon, tant que ça va mettre mon business en avant. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu le online business, où ça aide ma compagnie à avoir un site web. Après, on va avoir une boutique online qui va nous aider à vendre nos produits online. Bon, ça va être pour Maurice et avec des clients, la clientèle à l'étranger. J'ai aussi pris avantage du employment scheme, où je peux dire que j'ai un degree holder qui travaille avec moi et c'est payé par la SME Mauritius. Bon, ça nous aide en tant que petite entreprise à avoir des schemes comme ça. Et il y en a beaucoup d'autres, mais nous, on a pris avantage que de ces schemes-là qui aident notre compagnie à avancer plus loin. Tu avais dit que vous aviez dit que vous avez une boutique en ligne pour vendre à l'étranger. Est-ce que vous êtes prêt à concurrencer avec d'autres grosses compagnies sur des gros marchés pour... On a la capacité de le faire, Jean-Claude. On a la capacité de... Mais il nous manque. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque juste les commandes. Et demain, on est en ligne, on a les commandes. Ça va nous aider. Moi, ce qui nous manque, disons, à Maurice, c'est... Aujourd'hui, je peux dire que... Bon, qu'est-ce qui manque à Casting World? C'est un magasin pour qu'on puisse faire voir nos produits. Pignon sur rue, c'est pignon sur rue que vous cherchez. Mais vu que bon, le budget ne nous permet pas pour l'instant, mais si on peut take advantage avec les grandes boutiques et avoir nos produits dedans, comme ça, il y a un petit peu... C'est pas seulement les produits qui sont importés, mais aussi un petit peu de ça, les savoir-faire mauriciens. Ce que nous, les Mauriciens, on peut fabriquer, ça nous aurait beaucoup aidé à pouvoir vendre nos produits. Mais est-ce que vous ne participez pas dans les B2B, quand les Africains viennent à Maurice, quand les Kenyans viennent à Maurice, quand les Européens viennent à Maurice? Est-ce que vous ne suivez pas cette actualité-là? On est membre de EDB, qui veut dire nous, c'est plus ou moins, on va à l'étranger. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'étais à La Réunion avec EDB, aux Seychelles, au Sud-Afrique, pour faire, comme si pour montrer le savoir-faire mauricien, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, on exporte, mais pas vraiment dans ces pays-là, mais plus avec la Maldive, ou avec les Seychelles. Où ça nous aide, mais il faut qu'on bouge, qu'on aille faire voir nos produits. Regardez, il y a mes produits qui sont, il y a le marché européen, mais dommage qu'il n'y a pas vraiment de foire. Oui, on peut dire d'exposition pour le genre de produits que je fais. On a plus ou moins le textile, les bijoux. On a... Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ça une valeur ajoutée, comme on dit, c'est pas... C'est parce que ce qu'ils organisent à EDB ne correspondent pas à le genre de produit que je fais. Mais il y a beaucoup de foires pour le interior decoration. Il y a beaucoup de foires pour l'hôtellerie. Dommage que... Il y a les fameux salons de la maison aussi. Voilà, je ne vous ai pas vu. Pourquoi pas le salon de la maison? Il y a Yann qui a eu lieu il y a ce week-end. Ça, il y a au moins trois par an, on a le salon de la maison. On se prépare pour le salon de la maison. Mais des fois, c'est pas vraiment notre clientèle. On a été dans le Hotel World, parce que le salon pour le Hotel World, c'est organisé par Public Promo. Ouais. Mais on a été dans le Hotel World parce que c'est notre clientèle. Mais le salon de la maison, c'est plus pour le public mauricien. Le public mauricien, ce n'est pas vraiment notre clientèle. Le pourquoi? Parce qu'ils
ils reconnaissent pas le travail qu'il y a dans ce qu'on est en train de faire. La plupart du temps, ils cherchent des trucs beau manger, croyant que ça sort de Chine. Ils n'arrivent pas à comprendre ou valoriser le savoir-faire mauricien, le travail qu'il y a dans tout ce qu'on est en train de faire à la main. Non, mais c'est un remorqué. Quand je regarde un peu, 50 000, 60 000, allez, 100 000 visiteurs dans une année, vous vendez 4 petits coraux, 3 petits tics, c'est toujours ça de vendre. Ça va venir. Il y a des personnes qui peuvent du jour au lendemain changer leur aquarium. Vous avez parlé du nom des hôtels qui sont des 4 étoiles, mais peut-être un petit propriétaire d'un bungalow, dans 2-3 étoiles. Non, on en fait tous ces décors-là. Je ne vous dis pas non. Mais vous trouvez. Ça vient. On se prépare pour aller dans le salon de la maison. Peut-être pas cette année-ci, mais l'année prochaine. Mais ça va venir. Il faut qu'on se prépare pour ça. Pourquoi il faut se préparer? J'ai l'impression que tout le monde se prépare. On a un petit local, on met 4-6 trucs on a une jolie fille, une jolie demoiselle présentatrice. C'est le prix pour pouvoir payer le stand pour aller dans le salon de la maison. C'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Ben, on se prépare. On prévoit un budget pour nous présenter. Mais tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, il y a un salon que le ministère du business fait ici ou là, peut-être un peu plus de chez vous, on est un peu à la cité, ou bien parfois c'est fait au coudant. Est-ce que ça vous intéresse? Ou bien vous dites c'est toujours pas notre marché, mon marché est toujours non, le tel. Non, c'est pas ça. C'est que disons que ce qu'on est en train de faire, c'est des design items pour les hôtels, et on se voit pas dans les petits. On y va juste pour, comme si, des fois, pour pouvoir supporter, vu que je suis dans une association de femmes, qui est le National Women Entrepreneur Council, où quand il y a des fois, je suis avec eux pour supporter le savoir-faire mauricien. Mais des fois, j'y vais, mais c'est pas tout le temps. C'est pas notre target market, encore une fois. Et parce que, disons que ce qu'on fait, nous, c'est plus les design items pour les hôtels. Alors, c'est pas vraiment le marché qu'on cherche. J'ai l'impression que vous étreignez un petit peu votre vision sur le marché. Vous avez la possibilité d'avoir un gros marché avec les petits aquariums. Vous êtes en train de vous rester un peu dans les hôtels parce que c'est. Vous restez focalisé, quoi. C'est que la plupart de nos commandes, c'est plus pour la décoration des hôtels, qui veut dire les chambres, les abat-jours, la réception. L'aquarium, si vous voulez, c'est très minime en termes de commandes. Mais on fait la plupart du temps des customized items pour les aquariums. C'est pas les petits coraux qu'on va vendre un par an dans les pet shops. C'est pas ce genre de décor. Et la plupart du temps, les clients cherchent quelque chose d'unique. Alors nous, on travaille plus sur les designs que les clients nous donnent. Alors c'est un one-off project. C'est pas quelque chose que vous allez retrouver dans tous les autres aquariums. C'est quelque chose d'unique. C'est pour ça qu'on est aussi différent des autres. Voilà. Alors comment vous avez vécu cette soirée-là au Codan Art Center? C'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. On était nominés. On a su. C'est déjà quelque chose de gagné, je peux dire. En tant que femme, en tant que maman de 3 enfants, en tant que femme mariée. Et je peux dire que c'est un achievement aujourd'hui pour avoir été nominée et être gagnante du SME Excellence Award dans la section de micro-entreprises. C'est quelque chose on ne s'attendait pas du tout, et voilà, on était sélecté parmi 4. Vous avez participé, vous avez voulu participer, ou bien on est venu vous avez dit hein? Ben, le deadline c'était le 5 avril et nous on avait un tender le 30 mars, comme si c'est qu'il fallait nous concentrer sur le tender, on n'allait pas participer. Et quand le deadline a été postponed, on s'est dit ben ok, pourquoi pas, on avait 2 semaines. Ben, on a participé, aujourd'hui on est gagnant avec un tight deadline. On a eu des jurys qui étaient très très sévères, je peux dire, mais le résultat est là. On est gagnant aujourd'hui
Et je peux dire que je peux dire quelque chose pour les autres femmes qui veulent créer quelque chose aujourd'hui, créer un business, que le challenge est là. Elles peuvent se lancer. Et ça fait peur, c'est vrai que ça fait peur, mais c'est juste croyez en vous, croyez en ce que vous voulez faire dans la vie et ne baissez pas les bras. Quand on a fait peut-être ta deuxième place, qu'est-ce que vous avez dit la personne pour la deuxième place, à part pour moi, ça, cette fois-ci c'est pas, mais quand vous entendez « The winner is » Vous entendez maintenant, c'est quoi? Le monde s'est arrêté pour vous? Vous pleurez, vous sautez de joie? Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai une référence. Être la gagnante du SME Excellence Award, c'est une référence. C'est une référence dans l'excellence, je peux dire. Et c'est quelque chose où ça va m'aider à pouvoir penser vers l'avenir. Et continuer sur le même chemin. On vise l'excellence. Vous avez déjà l'excellence. On ne peut pas viser. Vous visez quoi maintenant? Ben, je veux dire que tout ce qu'on va faire encore, ce sera l'excellence dans tout. C'est-à-dire dans les travaux, dans les coraux, dans la façon de travailler, dans l'administration, gérer l'entreprise. Tout ce qu'on va entreprendre, ce sera l'excellence. Qu'est-ce que ça va apporter de plus à Costume? Vous avez un prix, là quand on est dans l'entrée, on voit que ces deux prix-là sont bien mis en évidence. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Qu'est-ce que ça peut apporter quelqu'un qui veut apporter, qui veut changer la réception de son hôtel? Qu'est-ce que ça va ramener en plus? C'est juste que le finish, quand on parle de Costing World, on sait que Costing World n'est plus une petite compagnie qui était individuelle à l'époque où on plaisantait, on essayait des choses. On est venu professionnel. On travaille surtout avec tous les commitments, avec tous les, je peux dire, ce que le produit fini, le finish que les architectes demandent, qui veut dire ça doit être au top. On est là pour pouvoir penser vers l'avenir, qui veut dire pouvoir exporter vers les pays européens, pourquoi pas d'autres pays dans le monde entier. Mais on a un niveau à respecter, qui doit être l'excellence. Et pour nous, aujourd'hui, on a une référence. Déjà que quand une compagnie va voir qu'on a eu le award pour l'excellence, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire pour une petite compagnie comme Costing World. Mais est-ce que vous êtes disposé à raconter votre success story? On va vous prendre comme exemple, vous allez faire un peu les cours de formation. Vous êtes dans la NWVC, il y a beaucoup de formations, de Women Empowerment, voilà. Women Entrepreneur Programme. Donc là, de l'élève, vous êtes venu au mentor. On m'a déjà proposé à venir parler aux femmes. Je l'ai déjà fait dans le passé. Il y a eu déjà d'autres émissions sur ma compagnie où j'en suis très fière que j'ai pu inspirer d'autres femmes à pouvoir créer leur business, à pouvoir faire quelque chose de leur vie. Et voilà, demain on m'appelle à venir parler à ces femmes-là, je vais raconter mon histoire, comment j'ai commencé à zéro et où j'en suis aujourd'hui. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Quel conseil vous donneriez à une jeune demoiselle qui voulait se lancer dans l'aventure de l'entrepreneur sans avoir le backing de marketing, sans avoir le backing de l'expérience de la vie du travail? Elle sort de l'université ou du collège, elle veut ouvrir son truc, elle est passionnée comme vous. Voilà. On va parler de corail, on va parler d'autres choses, n'importe quoi. N'importe quoi.
Ça peut être une couturière qui elle sait travailler le tissu, mais c'est juste il faut think outside the box. Je pense tout le temps à ces choses-là. Une couturière, je peux dire de se diriger vers quelque chose où il n'y a pas vraiment grand monde qui bouge dessus, comme les grandes tailles, faire quelque chose où se spécialiser qu'avec des longues robes, mais se lancer dans quelque chose où on ne voit pas tout le monde se diriger vers ça. Qu'est-ce qui a changé pour moi aujourd'hui? J'ai pensé à quelque chose qui n'existe pas. J'ai pensé à quelque chose que les gens ne font pas aujourd'hui. Et j'ai pu ramener quelque chose de nouveau à moi. C'est ce qui m'a différencié des autres personnes qui veulent créer leur business. Aujourd'hui, je peux dire si une femme veut... Ça peut être n'importe qui, c'est pas seulement une femme. Quelqu'un qui veut se lancer, et il faut juste croire en vous. Moi, quand je voulais commencer, j'ai eu plein de critiques, aussi plein d'encouragements. Mais c'est juste croyez en ce que vous voulez faire. Croyez en votre capacité. Et croyez en votre projet. Ça va vous ramener très loin. Ce c'est bon mot. Sharana Subhati, merci beaucoup. Beaucoup de succès à rencontrer. Peut-être à l'ouverture d'un grand aquarium à Port-Louis. Merci Jean-Claude.